Salut tout le monde, c'est Parfum. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto sur l'encre sympathique. Alors, l'encre sympathique, c'est une encre qui, à première vue, est invisible, mais avec des moyens un peu secrets. On peut la révéler, c'est parfait pour coder des messages, faire des jeux de pistes, des courses d'orientation, etc. Et donc, aujourd'hui, on va tester deux techniques, une avec du citron et une avec du lait. Donc, vous aurez besoin, pour le premier tuto avec le citron, vous aurez besoin d'une feuille de papier sur laquelle vous pouvez écrire votre message, d'un citron ou un demi-citron, une petite verrine, et après, au choix, coton-tige ou cure-dent. Le plus pratique, c'est coton-tige, mais cure-dent, c'est plus discret. Donc, la première étape, ça va être de couper le citron en deux, et ensuite de le presser. Bon, moi, j'ai une machine, mais bien sûr, vous pouvez le faire à la main sans souci, quoi. Donc une fois que vous avez votre jus de citron pressé, vous prenez votre ustensile d'écriture, donc soit le cure-dent, soit le coton-tige, autre chose si vous avez autre chose. Et ensuite vous allez tremper dedans, vous allez écrire le message, ensuite on va laisser sécher. C'est parti. Alors là par exemple j'ai écrit mon message, donc comme vous voyez on peut pas du tout distinguer ce que j'ai écrit, ça gondole parce que c'est humidifié mais on voit pas quelle lettre j'ai fait etc. Donc on laisse sécher pendant 30 minutes et après on y retourne. Ok, du coup maintenant que le citron est en train de sécher, on va faire un deuxième exemple d'encre invisible avec le lait. Donc vous allez avoir besoin en fait de la même chose mais de remplacer le citron par le lait. Donc il faut cure-dent ou coton-tige, verrine, un peu de lait et un papier. Donc une fois que vous avez versé un peu de lait dans la verrine, on va faire comme tout à l'heure, on prend sa feuille, on trempe le coton-tige et on écrit notre message. Voilà, une fois que vous avez écrit, on met à côté du citron, on laisse tout sécher pendant 30 minutes et dans 30 minutes, enfin pour vous maintenant, on se retrouve pour la révélation. Ok, alors maintenant qu'on a fait sécher notre feuille ancrée avec du citron, on va venir avec un briquet, on fait attention avec un briquet, si jamais on ne sait pas faire, on demande à un adulte. On va venir avec un briquet, passer en dessous de la feuille, et comme vous voyez, ça va révéler l'encre juste à l'endroit où il y a du citron. Je vais vous montrer comment faire. Et maintenant qu'on l'a fait avec le citron, on va le faire avec le lait. Ça fait exactement la même chose. Vous voyez, par exemple, j'ai brûlé ici. Et pareil, ça a révélé. Donc voilà, c'était le tuto pour l'encre sympathique. N'hésitez pas à nous envoyer les photos de vos meilleurs messages secrets. On sera ravis de voir que ça a fonctionné chez vous.